La commune de Prangin se situe dans le district de Nyon, entre l'ancienne voie romaine, devenue route de l'Étrat, et le lac Léman. Elle jouit d'une situation géographique et d'un environnement naturel extrêmement privilégié. Avec plus de 4000 habitants et une superficie de 609 hectares, Prangin, labellisée Cité de l'énergie, est la quatrième commune du district, après Nyon, Gland et Rolles. Les trois mains figurant sur les armoiries du village symbolisent la réunion en 1527 des lieux dits de Prangin, Bénet et Promontou. Au-dessus, une tour carrée au toit pointu n'est pas la tour d'eau, mais une ancienne fortification construite au Moyen-Âge à l'emplacement du château actuel. Le château de Prangin, construit en 1740 par la famille Guiguerre d'origine saint-galloise, témoigne du riche passé historique de notre commune. Cette famille résida dans le château jusqu'en 1814, puis le vendit à Joseph Bonaparte, frère de Napoléon Ier et ancien roi d'Espagne. Depuis 1998, le château de Prangin est le siège roman du Musée national suisse. Les bâtiments situés autour de la place du village composent le centre historique et patrimonial de Prangin. Depuis 2016, celui-ci fait l'objet d'une promenade jalonnée de 5 panneaux didactiques. L'ancienne ferme du château de Prangin subit une transformation complète en 1994 pour devenir la maison de commune qui abrite les services du greffe, des affaires sociales et de l'enfance. Le tea room, l'épicerie du village et un jardin d'enfants donnent à cette maison une certaine convivialité. La maison Fischer, située à côté du temple, abrite quant à elle le service technique communal ainsi que les services de l'urbanisme et de l'environnement. Le temple de Prangin a été inauguré en 1761. C'est un des trois temples de style baroque du canton. Le vieux pressoir et sa fontaine ont été construits en 1815 alors que Prangin regorgeait de vignes. Rénové en 1972, il permet d'accueillir des sociétés ou des privés souhaitant organiser une manifestation. En face de la maison de commune se trouve le fournil. Il abritait un four à bois construit en 1803 pour permettre aux villageois de cuire leur pain. À sa rénovation en 2005, le four a disparu, mais la boulangerie est toujours ouverte. L'auberge communale a été construite en 1793. Elle a été complètement rénovée en 2010, abrite un restaurant de bonne réputation et 9 belles chambres pour le plaisir des Pranginois et hôtes de passage. Depuis de nombreuses années, les autorités s'engagent afin de faciliter la vie des familles pranginoises. De nombreux projets ont été menés à terme, notamment en matière scolaire et parascolaire. Le Collège de la Combe fait partie du regroupement scolaire entre les communes de Nyon et de Prangin. L'enseignement relève de la Direction générale de l'enseignement du canton de Vaud. Ce collège date de 1977. Une aile supplémentaire a été édifiée en 1993 et il a subi une rénovation complète en 2015. Le site de la Combe abrite dès 2017 une cantine scolaire et à ses côtés, le bâtiment qui fut la première école de Prangin, puis l'ancienne administration communale, accueille aujourd'hui une bibliothèque scolaire. Une nouvelle école enfantine comprenant 6 classes, ainsi qu'une unité d'accueil pour écoliers, à l'architecture audacieuse et fonctionnelle, issue d'un concours de projet, ont été inaugurées en 2015 sur le site des Morettes. Inauguré en 2000, le complexe des Morettes est venu combler les vœux des Pranginois. Il abrite une salle de spectacle bien équipée, ainsi que 2 salles de gymnastique prévues pour les classes scolaires et les sociétés sportives locales. À l'ouest du village se trouve l'aérodrome de la Côte, inauguré en 1950. Il propose une piste de 600 mètres pour les avions de tourisme. En descendant le vallon des fossés à côté du château, un charmant petit étang est à découvrir. Remis à ciel ouvert en 2010, année de la biodiversité, le petit ruisseau du nom de Leia offre une jolie balade entre le château et le port des Abériaux. Le bâtiment de la voirie est situé près du parking des Abériaux. Divers éco-points dans le village permettent d'éliminer les ordures ménagères courantes et une déchetterie intercommunale moderne, située au lieu dit en Messerin, a été inaugurée en 2015 avec la commune voisine de Duyé. Le magnifique port de plaisance des Abériaux, naturellement abrité par la pointe de Promontou, offre près de 400 places d'amarrage et d'entreposage proposées prioritairement aux Pranginois. Une très jolie place de pique-nique est à la disposition du public, ainsi que les terrains de sport utilisés notamment par le FC Prangin. Un skatepark inauguré en 2014 complète ses infrastructures de sport et de loisirs. Attenant au port se trouve le restaurant des Abériaux.
endroit privilégié pour prendre un verre ou se restaurer. À proximité immédiate du port, l'hôtel La Barcarolle, avec ses 39 chambres, ses bars et restaurants, bénéficie d'un emplacement privilégié dans un parc de 2 hectares avec accès direct au lac. Plus à l'ouest, se situe la jolie plage de Promontou et sa buvette ouverte d'avril à septembre. Enfin, la tour d'eau, image bien connue de notre village, que l'on aperçoit près de la route de l'Étra, n'est pas très ancienne. Elle date de 1928. Aujourd'hui, elle n'est plus en service. En effet, depuis une vingtaine d'années, le réseau d'eau de Prangin est relié à celui de Nyon. Pour plus d'informations sur la commune et les nombreuses prestations de services offertes, www.prangin.ch. Et nous nous réjouissons de vous y côtoyer, afin de partager avec vous une qualité de vie que certains d'autres nous envient.